New York 2075. Sorcière cruelle aux mille pouvoirs, la reine noire règne sans partage sur ce monde futuriste. Immortelle, elle ensorcelle les jeunes filles auxquelles elle dérobe la jeunesse et la beauté. En envoûtant la jeune Angèle, promise du prince Argyle, elle a déclenché la colère de ce dernier. Surgi du fond du Moyen-Âge, il s'est retrouvé près d'un millénaire plus tard en plein cœur de New York. Non ! Là, le prince a trouvé refuge auprès du détective Oscar Lampoule, de son assistant Barnabé et de sa secrétaire Miss Moon. Ils ont décidé de lui venir en aide. Cher prince, cette histoire est tout simplement extraordinaire. Grâce à la machine à voyager dans le temps d'Huxley, ils récupèrent dans leur ordinateur les pages d'un étrange livre de prophétie écrit au Moyen-Âge. Chaque quatrain de ce livre dévoile un ingrédient nécessaire à la fabrication de l'antidote capable de réveiller Angèle et d'ainsi briser son envoûtement. La reine noire comprend l'immense danger. Elle profite de s'être emparée du précieux livre pour suivre à la trace nos amis et les empêcher de reconstituer la potion magique qui la briserait. Malgré cela, nos amis sont maintenant en possession des quatre premiers ingrédients de l'antidote. Quant à Angèle, elle est désormais en sécurité à leur côté. Tout semble sourire au prince Argyle. Mais la reine noire prépare sa vengeance. Elle possède pour cela un atout capital. Elle a réussi à s'emparer de frère Tiche et s'apprête à tendre un piège au prince. Noire est la reine, noire est son dessein. Dans son repère combattre, il te faudra. Le père de l'ange, sans toi n'est rien. En le trouvant, l'or noir se révélera. Mes amis, ce quatrain est tout ce qu'il y a de plus clair. Le père de l'ange, c'est... Frère Tiche, c'est lui qui a recueilli Angèle. Et il est aux mains de la reine noire. Sans nous, il périra. Il va falloir le sortir de là. Vous voulez dire qu'on va aller faire une visite chez la reine? Ça s'impose, mon petit Barnabé. Qu'est-ce que c'est, l'or noir? Il s'agit du pétrole. On l'appelait comme ça au siècle dernier parce que ce liquide était très précieux. Et ce quatrain nous indique qu'il est indispensable à la fabrication de l'antidote. Eh ben, on n'a pas le choix. Alors, ami. Pacha, nous avons besoin de toi. Parle. Il nous faut pénétrer dans le vaisseau amiral. Oscar, mon ami, tu aimes le danger. Alors, petit moine, sais-tu que ton cerveau nous a révélé toutes tes pensées? Ainsi, tu es devenu, comment dire, inutile. Disparaître après avoir fait un si long voyage, quel dommage. Tu n'aurais jamais dû quitter le Moyen-Âge. Tu as de la chance, petit moine, je suis de bonne humeur. Je vais te laisser la vie encore un peu. Oh, merci. Tu vas jouer le rôle du fromage. Du fromage? Et nous? Nous attendrons la souris. Oh, la souris! Quelle souris! Je suis sûr que ton prince ne t'abandonnera pas. Et lorsqu'il viendra te délivrer, nous attraperons la souris. Allez, Gecko, va et emmène-le. Avec plaisir. Poussez pas, poussez pas. Alors, ma reine, et la fille, c'est Angèle. Qu'importe! Une fois Argyle entre mes mains, plus rien ne pourra la sauver. Je te le souhaite, reine noire, je te le souhaite, car si elle venait à se réveiller, c'en serait fini de toi, et tu ne siégerais jamais à ma droite dans les flammes de l'enfer. Je t'attends, Argyle. Je t'attends! Noble visiteur, c'est une faveur rare que vous accorde mon maître, car vous êtes ici dans le dépôt général du Pacha. Tous ces trésors de guerre se trouvent entreposés ici dans ce bâtiment. Oh, c'est chouette. Nom d'un petit bonhomme, c'est très impressionnant. Très. Les amis, le seul moyen de pénétrer dans le vaisseau amiral est d'utiliser un vaisseau de la milice. C'est une excellente idée, en effet. Un engin comme ça, par exemple. Avec un chasseur de ce modèle, on sera pas repéré. Tu sais le piloter? Quelle question, mais bien sûr, venez avec moi. Tout ce qui vole dans la galaxie n'a pas de secret pour Captain. On y va. Oscar. Bien, le prince et Barnabé sont en route pour le vaisseau amiral. Tout est prêt ici? Je suis prêt, Oscar. Ils vont avoir besoin de toutes tes lumières, Huxley. Sans toi, ils sont comme des aveugles. Tu peux compter sur moi. Je crois qu'il est temps de partir pour le Moyen-Âge, ma petite Mouni. Je suis prête et j'ai hâte de ramener Angèle dans son époque. Voyons, tout ça m'a l'air de fonctionner. Bonne chance, Huxley. Bonne chance à vous. À tout de suite. Nous approchons. On va pas tarder à nous demander nos identités. J'espère que Huxley a bien travaillé, hein. Sinon... C'est donc ça, le vaisseau amiral?
Une forteresse volante. S'il venait à l'esprit de la reine de supprimer la ville, il lui suffirait d'appuyer sur un bouton. Pas plus rien qu'un immense trou noir. Une sorte de grosse catapulte? Tu vois, l'anneau qui sert de base est toujours situé au-dessus de la ville. C'est là que se trouvent les services de la milice. Au-dessus, c'est le vaisseau amiral, l'antre de la reine. La plupart du temps, il n'est pas là. Il se balade dans le cosmos. Il faut une très bonne raison pour qu'il soit là en ce moment. Fertiche est une très bonne raison. Regardez ce que j'ai trouvé. Mais qu'est-ce que c'est? Le masque des chasseurs de la garde. Avec ça, on passera peut-être inaperçu. Dépêchez-vous de les enfiler, on y est presque. Huxley, t'es prêt? On arrive. Oui, oui, oui. C'est bientôt terminé. Je pense que ça devrait fonctionner, voyons. Utilisez le code d'accès S742.X. Ça devrait marcher. On l'espère, Huxley. On reste en contact, hein? Code d'identification. S742.X. Demande autorisation de pénétrer dans vaisseau amiral. Un instant. Oh, vu qu'Huxley se pas trompé. Et sinon? Oh, je crois qu'on aura de sérieux ennuis. S742.X, autorisation de pénétrer dans l'enceinte royale accordée. Bon travail, Huxley. Merci. On y va. Ah, j'ai pas du tout l'impression de me jeter dans la gueule du loup, moi, pas du tout. Je vais garer le vaisseau et je me cacherai en vous attendant. Si on s'en sort, je t'emmènerai chasser le cerf dans la forêt de mon pays. Chasser le cerf au Moyen-Âge? Quelle drôle d'idée. Vite, Barnabé, allons-y. Je te suis. Je peux plus rien pour eux maintenant. Pourvu que ça marche. Eh bien, voilà une bonne chose de faite. Mettons-nous en route, ma petite Pony. Au moins maintenant, nous connaissons cette forêt. Respirez, ma petite Pony, respirez, ça nous change de New York. Je suis inquiète, je n'aime pas laisser Mademoiselle Angèle comme ça, toute seule. Oh, attention! Tigger des barbares. Un peu plus, ils nous écrasent, hein? Où allons-nous? À mon avis, c'est au monastère qu'on trouvera de l'aide. Nous y sommes! Oh, ben, c'est pas trop tôt. Rien n'a changé depuis la dernière fois. Absolument rien. C'est toujours aussi sinistre. Je ne suis pas sûre que ce soit une bonne idée de frapper à cette porte. Et moi non plus, mais j'ai un bon pressentiment. Et vous allez... Le prince Argaï finira bien par se manifester. Toutes les entrées sont contrôlées, Majesté. Bien. Parfait, Gecko. Alors, petit moine, tu ne t'ennuies pas trop? Tais-toi! Ta solitude va bientôt prendre fin. Mon pauvre petit moine, je sens que tes amis arrivent. Donne l'ordre de quitter New York! Bien, Majesté. On dirait que le vaisseau amiral est désert. Ouais, on a de la chance pour le moment. Il y a encore une porte, Huxley. Je m'en occupe. Ça marche. Huxley, où sommes-nous? Vous êtes parvenu dans l'enceinte de contrôle du vaisseau amiral. Tous les ordres transitent par là. Que faisons-nous? Connectez-vous à un des ordinateurs. Je tâcherai de localiser Frère Tich. D'accord. Décollage immédiat! Décollage immédiat! Tout le monde à son poste! Oh, le vaisseau décolle! On est pris au piège! Veillez à ce que toutes les issues soient fermées. Plus aucun chasseur ne doit quitter le vaisseau amiral. Oui, Majesté. Tu m'entends, Gecko? Personne ne doit sortir de ce vaisseau. Personne n'en sortira. Vivant! On ne s'en sortira jamais vivant! Et hop! Ils vont cuire comme des saucisses là-dessus. Non, vraiment, vous exagérez, Miss Moni. Il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Ces braves gens vont très vite se rendre compte qu'ils ont fait une erreur. Préparez-vous, vous serez exécutés à la nuit tombée. Mais... Vous avez entendu?
Oh, ma petite Moni. Bon, il doit bien y avoir un moyen de sortir d'ici. Voyons. Tiens. Un petit bonhomme, ceci est bien étrange. Qui êtes-vous? Et vous, qui êtes-vous? Oh, je m'appelle Oscar Lampoule et je suis détective. Non, ne partez pas, je suis un ami du prince Argaï. Que dites-vous là? Et la vérité, nous sommes également des amis d'Angèle. Vous avez des nouvelles de Mademoiselle Angèle? Nous l'avons laissée dans la forêt. Il faut absolument sortir d'ici avant qu'il ne soit trop tard. Suivez-moi. Réveillez-vous, ma petite Moni, réveillez-vous. Que se passe-t-il? Où suis-je? Nous sommes sauvés. Venez, il n'y a pas un instant à perdre. Suivez-moi, c'est par ici. C'est un véritable labyrinthe. Je suis bien contente d'avoir échappé à ces horribles barbares. Par ici. Et cela mène où, tous ces tunnels? Oh, un peu partout, hein, au château, dans la forêt. Dans certaines maisons aussi, depuis que les barbares ont envahi Tirlok, eux vivent au-dessus et nous en dessous. Nous sommes bientôt arrivés, et vous, d'où venez-vous? C'est un peu compliqué à vous expliquer. Je suis sûr que vous ne me croiriez pas. Laissez-les. Je veux qu'ils parviennent jusqu'ici. Il est temps de s'occuper de ce prince. Ces couloirs n'en finissent pas. J'ai l'impression qu'on nous guide, qu'on veut nous emmener à un endroit précis. C'est bizarre, on n'a rencontré personne depuis un bon moment. Tout est désert. Et si c'était un piège? T'as raison. Tout est possible avec la Reine Noire. Soyons sur nos gardes. Oh, la porte. Mais c'est Frère Tiche. Allons-y. Frère Tiche, tiens bon, nous sommes là. Pourvu qu'il soit pas trop tard. La porte s'est refermée. Argaï, on dirait qu'on est pris au piège. Frère Tiche, oh, c'est un piège, mon prince. La reine. Ce moine stupide dit la vérité. Tu ne manques pas de courage, beau prince, mais tu devrais faire fonctionner ton cerveau. Tu pensais réellement pouvoir délivrer cette chose. Qu'est-ce que c'est amusant, regarde. Ne fais pas ça! Non! Non! Dis-moi, Gecko, j'ai bien l'impression que notre invité nous a faussé compagnie. Cela ne se fait pas, Majesté. Ça ne fait rien. Nous en avons de nouveau. Tu n'es qu'un monstre. C'est mieux ainsi. Il faut faire quelque chose. Oui, la seule issue est derrière nous. Je crains que votre aventure ne s'arrête ici. Tu veux qu'on saute là-dedans? Allez, les gnomes, emparez-vous deux! Maintenant! Tiens bon, Barnabé! Viens vite! Oh, imbécile! Amène-les, tu entends? Ou c'est moi qui te jetterai dans le vide? Oh, Lucifer, déclenche la colère des ténèbres! Qu'est-ce que c'est ça? Oh, une boule de feu, vite! Barnabé, il faut ouvrir cette porte! Huxley! Oh, Huxley ne répond pas! Nous sommes perdus! Oscar Lampoule, je suis si content de vous revoir. Et vous aussi, Miss Moon. Vous connaissez notre grand prieur Grégoire? Nous nous sommes rencontrés à Paris, ils m'ont sauvé la vie. Expliquez-moi ce que vous faites ici. Ils étaient enfermés dans la cave, les barbares voulaient les brûler ce soir. Nous brûler? Ce soir? Décidément, nous ne pouvons nous rencontrer sans qu'il y ait un bûcher pas loin. Et Angèle? Angèle? Où est-elle? Nous l'avons amenée. J'ai le sentiment que sa place n'est pas en 2075. 2075. Nous l'avons laissé dans la forêt avec la machine à voyager dans le temps. La machine à voyager dans le... Eh ben vous n'allez pas répéter tout ce que je dis, mon ami. Il faut aller la chercher, elle sera en sécurité ici avec nous.
Les barbares occupent tout le pays. Quand je suis revenu de Paris, je les ai trouvés installés dans le monastère. Je me suis souvenu des souterrains, je m'y suis réfugié. C'est là que j'ai retrouvé toute la communauté des moines qui m'attendait depuis mon départ. Personne ne sait que vous êtes là? Personne, sauf vous maintenant. Eh oui, oui. Angèle, Dieu soit loué, quel bonheur de la retrouver. Non, Angèle! C'est ça la machine à voyager dans le temps? C'est cela, oui. Et je vous demanderai surtout de ne pas y toucher. Oh, Angèle, nous sommes là. Ne craignez rien. Que lui arrive-t-il? C'est bizarre, en effet. Arcade, on dirait que quelque chose lui fait peur. Quelque chose de plus fort que le sortilège. Nom d'un petit bonhomme. Arcade et Barnabé sont sûrement en danger. Arcade! Non! Non! Barnabé, on s'en est sorti. Oh, je m'aurais bien un truc bien frais. On dirait que c'est fini. Il doit se passer des choses terribles dans le futur. Si vous m'expliquiez. Le prince Argaï et mon assistant Barnabé sont partis délivrer Frère Tiche. Frère Tiche? Mais que fait-il dans le futur? C'est une longue histoire, mais il a été fait prisonnier par la reine. Je suis pas sûr que nous le reverrons un jour. Ça serait une terrible perte pour notre communauté. Vous entendez? On dirait quelqu'un qui ronfle. J'ai beau être de la ville, ce bruit ne ressemble pas à celui d'un animal. Eh bien, allons voir. Bon. Frère Tiche. Qu'est-ce que c'est? Qui êtes-vous? Frère Tiche, c'est moi, l'abbé Grégoire. L'abbé Grégoire? Mais qu'est-ce que vous faites ici? Mon ami, vous êtes de retour au Moyen-Âge, à Tirloc. Mais il y a un instant, j'étais prisonnier de cette odieuse reine. Que s'est-il passé? Le prince Argaï et votre ami sont venus pour me libérer. Et la reine nous attendait. C'était un piège. Nom d'un petit bonhomme. Et que s'est-il passé ensuite? La reine a tendu son doigt vers moi. Psst, pout. Une lumière extraordinaire m'a aveuglé. Après, plus rien. Je me souviens plus de rien, sauf que je viens de me réveiller dans cette forêt. Eh bien, voilà un mystère d'éclairci. Cela veut dire que les pouvoirs de la reine ne sont pas sans limite. Elle ne peut faire disparaître quelqu'un qui n'est pas de son époque. J'ai peur de ne pas vous comprendre. C'est très simple. La reine voulait bel et bien faire mourir le bon frère Tiche, mais ce faisant, elle n'a réussi qu'une chose. Miss Moon? Le renvoyer au Moyen-Âge. Exactement. On ne peut mourir que dans son époque, frère Tiche, ici. Et nous, dans le futur. J'ai pas bien tout compris, moi. Peu importe, le prince Argaï est immortel en 2075. La reine ne peut rien contre lui. Je suis sûr qu'elle ne le sait même pas. Mais Barnabé. Barnabé, oh, c'est vrai ce que vous dites. Mes amis, nous devons rentrer au plus vite. Prenez soin d'Angèle, nous reviendrons. Nous romprons le sortilège, je vous le promets. Et soyez prudents. J'ai confiance en vous. Bonne chance, mes amis. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer? Plus tard, frère Tibulle. On est dans la salle des machines du vaisseau. Il n'y a pas un instant à perdre. La reine a sûrement déjà lâché ses gnomes. Allons par là. Faut trouver Captain. Les gnomes, les voilà. Non. Cours, Barnabé, cours. Non. Les gnomes. Vite, Barnabé. On n'arrivera jamais à les semer. Non. Mais Argaï, viens voir. Qu'est-ce qu'il y a? Du pétrole, l'or noir de la prophétie. Tu as raison. Eh bien, messieurs, je crains fort que votre route ne s'arrête ici. Non. Nous sommes pris au piège. Allez, les gnomes. J'ai pas dit mon dernier mot. Ne fuyez pas. Emparez-vous d'eux. Attention, Barnabé. Ton laser ricoche contre les cubes. Vous êtes complètement faux. Tout va prendre feu, Barnabé. Vous ne sortirez jamais vivant d'ici. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Faut filer d'ici au plus vite. Ça va faire un drôle de feu d'artifice. Saute, Barnabé!
tu veux dire ? Le vaisseau amiral doit être évacué. Parmi nous, Barnabé, comment te sens-tu? On a réussi. À mettre la pagaille, ça c'est sûr. Barnabé, cette fois-ci on peut dire que c'est un vrai miracle. La reine noire doit être de très mauvaise humeur. Regardez le vaisseau amiral. Il a explosé. Accrochez-vous! Salut, patron! Barnabé Argyle! Yushwabwe, vous êtes vivant! Hélas, nous n'avons pas pu sauver frère Tish. Ne vous inquiétez surtout pas pour lui, prince. À l'heure qu'il est, il est en train de veiller sur Mademoiselle Angèle. C'est un peu compliqué, mais nous vous expliquerons. Vous l'avez? L'or noir? Je baigne dedans, patron. Youpi! Et c'est pas tout! Le vaisseau amiral est détruit! Poussière d'étoiles, royaume des fées, dans la forêt enchantée, les larmes se dévoilent. Le prince Argyle et ses amis parviendront-ils à vaincre les forces du mal? Arriveront-ils à déjouer les pièges tendus par la cruelle reine noire? Réussiront-ils à reconstituer l'antidote qui permettrait de briser l'envoûtement de la jeune Angèle? Rompre le maléfice reviendrait à détruire la reine, Argyle le sait. De la force de son amour dépend la survie du monde. Suivez la suite de cette fantastique aventure à travers le temps dans un nouvel épisode d'Argyle.